Alors merci. Le débat va être lancé, je pense, avec mon intervention, puisque Claire et toi-même, Ramzi, le savez, je défends l'idée de l'usage du terme, des termes diagnostic psychologique, et je vais tenter d'argumenter en ce sens à partir d'une petite étude, d'une présentation qui durera 10 minutes en ce qui concerne l'approche clinique et diagnostique en psychologie. Pour le reste, justement, l'usage du terme diagnostic ou des termes diagnostiques psychologiques aujourd'hui dans la littérature et dans certains pays du monde. Donc, voilà le plan que je vais vous proposer. La psychologie et la science, l'évaluation et la mesure en psychologie, le normal et le pathologique avec la psychologie clinique, perspective historique sur le diagnostic psychologique, les approches contemporaines, les publications récentes, les recommandations disponibles aujourd'hui, parce qu'il y en a, et puis le regard international sur cette question avec quelques aspects de conclusion. Alors on va aller très vite, mais je pense qu'il est nécessaire de pouvoir rappeler certains éléments ensemble pour partir, je dirais, d'un même dénominateur commun, être assuré que le débat qu'on va engager aujourd'hui autour de cette question diagnostique elle puisse se bâtir sur les mêmes bases. Pour certains d'entre vous, ça sera peut-être un rappel, je dirais, d'étudiants. Pour d'autres, peut-être la possibilité de clarifier ces idées. Alors, rappelez que la science, c'est un dialogue avec le réel. Hein. C'est la description d'une réalité objective qui est tentée dans la science, dans une double approche, descendante, hypothético-déductive, et ascendante, inductive. La science construit des connaissances, mais aussi des croyances. Et toute science, on ne va pas opposer ici la science médicale à la science psychologique. C'est un aller-retour entre des croyances et le monde empirique, c'est le domaine de l'épistémologie des sciences humaines. La psychologie, c'est une science descriptive, est une science explicative. Je passerai sur ces considérations simplement pour rappeler qu'on a effectivement ces deux dimensions qui sont présentes dans notre exercice. Psychologie, alors une définition que j'ai reprise tout simplement de l'Université de Genève, qui est sur l'Institut de psychologie de Genève en préambule, hein, science ayant pour but de comprendre la structure et le fonctionnement de l'activité mentale et des comportements qui lui sont associés. Voilà, vous en avez beaucoup d'autres de définitions, celle-ci me semblait assez proche, ou en tout cas étant un bon compromis par rapport à l'ensemble des définitions. L'objet de la psychologie, le rappeler, c'est l'étude des faits psychiques, des comportements, des processus mentaux, le développement et le fonctionnement psychique de la personne. C'est-à-dire décrire, évaluer, expliquer les processus mentaux dans leur ensemble en prenant en compte les manifestations de la subjectivité. L'objet psychologique répond à une définition contingente, on le sait. Mais est-ce que le fait que cet objet soit un objet non défini définitivement, hein, une fois pour toutes, nous empêche d'en avoir une démarche diagnostique. Voilà. La variabilité aussi intrinsèque du psychisme, on le sait, le développement chez l'enfant, hein, mais aussi le fonctionnement, y compris à l'âge adulte. Donc nous avons une variabilité intrinsèque de notre objet d'étude. Alors, rappelez aussi des notions comme le relativisme épistémologique, hein, le psychologue construit des représentations influencées par la culture, l'histoire, le social. C'était une idée avancée, en tout cas une notion avancée par Ramzi et Claire tout à l'heure. Alors, comme exemple, l'inconscient, hein, ou le trouble psychopathologique, hein, selon les civilisations, selon les cultures, selon les contextes, hein, les comportements, bien entendu. Voilà. Il faut que nous ayons ce renoncement à l'idée d'une connaissance absolue. Hein. Est-ce qu'il faut une connaissance absolue pour dire qu'on est dans le cadre de l'approche ou de la démarche diagnostique ? Je veux dire, nulle science, hein, n'est en mesure d'avoir une connaissance absolue de son objet. Hein. Mais voilà, c'est sans doute chez nous d'écrire avec le maximum de précision et évaluer avec le moins d'erreurs possible. Voilà. La méthode doit relever d'une démarche scientifique et l'évaluation psychologique individuelle doit être fondée sur des preuves. Voilà les grands objectifs qu'on peut envisager. Alors les obstacles à tout cela, c'est l'illusion de l'observation comme méthode. Et y compris, puisqu'on a interrogé le diagnostic psychiatrique et le diagnostic médical, puisqu'on va se situer par rapport à ça. Si j'ai bien compris les propos de Claire, dire le diagnostic appartient au monde de la médecine et à la démarche et à la connaissance médicale.
En psychologie comme en psychiatrie, la méthode objective n'existe pas. Observer implique toujours une altérité. Et en médecine également, Claire, en médecine également. La clinique médicale implique une altérité. Il n'y a pas de fait brut, rien n'est donné, tout est construit. Référence à Gaston Bachelard dans la formation de l'esprit scientifique. C'est-à-dire que nous avons, bien entendu, une connaissance construite. Les faits psychologiques sont des constructions très dépendantes des cadres théoriques qui président à leur recueil, on le sait. Une autre difficulté, c'est bien sûr la pluralité des modèles en psychologie clinique et en psychopathologie. Voilà. La suite des obstacles, nécessité d'apporter la preuve, les données probantes, données probantes de ces observations, de ces descriptions et de ces données. C'est un mouvement aujourd'hui où on appelle la psychologie, effectivement, à fournir ces données probantes. Évaluer le psychisme de l'autre, autre obstacle, avec notre propre psychisme. On sait cette difficulté d'évaluer, d'une certaine manière, ou d'étudier l'objet avec notre propre objet en question. Et puis les limites de la compréhension et de l'interprétation avec cette subjectivité. Voilà. La difficulté posée par la recherche de l'objectivation du subjectif. Voilà la grande question qui nous est posée, y compris en psychiatrie. Alors, on va terminer avec cette question de l'évaluation en psychologie. Elle s'appuie sur des mesures psychologiques chez nous, comporte une part de subjectivité d'interprétation, on sera tous d'accord. La démarche vise à apporter un jugement de valeur, évaluer, valeur, ou à accorder une valeur à une dimension psychologique, un comportement, un fonctionnement même global, en comparaison avec un critère donné. C'est la comparaison et le classement. Tout ça ne me semble pas être incompatible avec la question du diagnostic. La mesure en psychologie consiste à obtenir une description le plus souvent numérique du degré auquel un sujet, etc., je passe, ce sont des choses que vous connaissez. Voilà. Alors, réponse à ces finalités. Nous avons un arsenal méthodologique qui tente de rendre maximale la probabilité d'être juste dans nos observations. C'est l'examen psychologique avec la méthode des tests, entre autres. Il n'y a pas que celle-là. Les limites, on les connaît de cette méthode, ça ne l'annule pas, ça ne la fragilise pas forcément. C'est le risque de confondre, on le sait, la représentation de cet objet qu'on tente d'évaluer, d'aborder, de décrire et de mesurer, et l'objet lui-même. Je veux dire, on le sait avec le QI. Le QI, ce n'est pas l'intelligence, mais c'est le risque de confusion. Voilà. Ou un psychogramme. On sait comment un psychogramme peut prendre la place de l'observation même de la personne chez certains. C'est la stigmatisation et le réductionnisme possible avec la stricte référence aux classifications, aux données chiffrées comme expression diagnostique. Mais ce n'est pas parce que le diagnostic a ses risques en psychologie qu'il faut le supprimer de nos possibilités. Voilà. Le risque de fixation et d'immuabilité d'une étiquette diagnostique, on le sait. Mais en médecine, on n'est pas à l'abri de ça non plus. Pas pour ça qu'on ne parle pas de diagnostic en médecine, au contraire. Voilà. Alors, plusieurs questions, cette question pardon, du diagnostic psychologique, elle est indissociable de deux choses. En arrière-fond, on va le dire, la question du normal et du pathologique, et puis la question de la définition de la psychologie clinique. Alors, le normal et le pathologique, on fera référence à tous les travaux d'épistémologie dans les sciences médicales, les sciences humaines, etc. C'est Auguste Comte, Claude Bernard, Georges Canguilhem, bien sûr, et Sigmund Freud, Didier Anzieux, Jean Bergeret, qui ont interrogé cette question dans le champ de la psychanalyse, notamment. Et puis, celui de la psychopathologie, avec quelques questions comme qu'est-ce qui fonde la spécificité du diagnostic psychologique par rapport au diagnostic médical, ou ne la fonde pas que vous avez tenté d'éclairer tous deux, et quel sens a le mot diagnostic s'il ne s'agit pas du pathologique mais du normal, par exemple. Autant deux questions qui seront, à mon avis, abordées de façon transversale aujourd'hui. Et puis cette question de la définition de la psychologie clinique, je ne rentrerai pas dedans puisque les travaux de Daniel Lagache sont assez nombreux. Alors on va aborder là vraiment cette question du diagnostic psychologique et puis vous proposer un petit parcours historique sur, dans le fond, qui l'a utilisé et qui l'a abordé dans ses écrits et dans ses pensées. Voilà ce qu'écrit Daniel Lagache. Le diagnostic psychologique est préalable à tout projet de soins et d'intervention. Il a une position très claire. Lagache a utilisé le terme diagnostic psychologique à plusieurs reprises dans ses écrits. Seule l'investigation clinique sous différentes formes avec la psychanalyse, donc c'est pondéré. Ça ne veut pas dire qu'un diagnostic est définitivement structuré, impossible à modifier, et quelque chose bâti ou écrit dans le marbre. Voilà. Sous diverses formes, avec la psychanalyse, la psychologie sociale, l'ethnologie, et il peut fournir une vue suffisamment compréhensive des conduites humaines. Voilà.
Annie Cohaillon, l'historienne de la psychologie clinique en France, avec ses remarquables écrits qui sont tout à fait intéressants, mentionne dans un de ses articles de la revue Connexion récemment, pour Daniel Lagache, l'acte caractéristique de la psychologie clinique est le diagnostic. C'est quand même intéressant à souligner, hein, quand on sait la position de Daniel Lagache entre la psychologie expérimentale et la psychanalyse. Alors, les perspectives historiques, moi j'ai commencé à les trouver dans un petit travail qui n'est pas exhaustif, hein, mais qui s'appuie sur une méthodologie suffisamment scientifique et solide pour vous, apporter quelques questions. Dans l'année psychologique en 1904, hein, Binet lui-même parle de diagnostic, puisque le titre c'est « Vers un diagnostic scientifique ». Un diagnostic scientifique, on est en 1904, des états inférieurs de l'intelligence, hein, dans Méthode nouvelle pour le diagnostic du niveau intellectuel des anormaux. Voilà. Alors, on a bien entendu aussi Rorschach, Hermann Rorschach, avec la première utilisation d'un titre, hein, psychodiagnostic. En 1921, la traduction française a été faite en 1947. Alors, on a tous en tête, quand on parle du Rorschach, effectivement, de psychodiagnostic. André Rey, en 1947, dans « Études des insuffisances psychologiques », a un deuxième ouvrage, c'est le tome 2, « Le diagnostic psychologique ». André Rey. Hein, c'est un titre clair de... alors, derrière, je ne vais pas pouvoir l'exprimer, ce n'est pas le cadre de ma communication, c'était important de connaître quand même les premières utilisations. Alors, Jean Piaget, on n'est pas dans la démarche complètement clinique, on le sait bien, puisque ce qu'il a souhaité dégager, c'est le sujet épistémique. Mais il a fait la préface de l'ouvrage de Barbel Inelder sur le diagnostic du raisonnement chez les débiles mentaux. Et puis, je vais dire d'une certaine manière, la méthode clinique et critique développée... Je sens Claire qui va réagir au moment des questions tout à l'heure. Je prends le pauvre Ramzi à témoin. La méthode clinique et critique développée par Piaget n'est pas éloignée d'une perspective diagnostique caractéristique de la psychologie clinique. C'est l'exploration des mécanismes et des processus de pensée individuels. Voilà. Continuons ce petit parcours. Richard Mélie, hein, psychologue universitaire suisse, a publié en 1937 le diagnostic psychologique. Voilà. Son ouvrage a été traduit dans une réédition, bien sûr, en 1964 au PUF, Manuel du diagnostic psychologique. Voilà. Alors, on en a d'autres. René Zazo, le diagnostic de la débilité mentale, 1960. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de diagnostic psychologique que c'est fortement sous-entendu pour qu'on puisse l'utiliser. Et Manuel, dans le manuel pour l'examen psychologique de l'enfant, 1969. Et voilà ce qu'il dit, par exemple, hein, dans la revue Enfance. Le diagnostic progressif, c'est un individu qu'il faut découvrir en fonction des notions déjà établies, d'ordre vulgaire ou scientifique, à partir d'un univers de signes préalablement connus et dont les tests ne sont en somme que les révélateurs ou les réactifs. Nous partons du problème posé par le sujet adulte ou enfant, et en évitant tout a priori, nous nous acheminons lentement, prudemment, vers la solution, en resserrant peu à peu le champ des hypothèses. C'est ce que j'appelle le diagnostic progressif. Le terme diagnostic est bien utilisé par un psychologue, un de nos grands-pères, et c'est une référence que je dois à Claire dans « La gourmandise du vécu » que je n'avais pas lue jusqu'à ce qu'elle me donne ses références. Hein. Alors, les autres utilisations, deux gros ouvrages de référence, notamment le David Myers sur le gros ouvrage psychologie de 1000 et quelques pages, voilà, traduit de l'américain, à propos des troubles psychologiques. Il suggère la démarche suivante, il avance, définir, comprendre, perspective biopsychosociale, classer, référence aux classifications internationales CIM et DSM, classifier et établir un diagnostic psychologique, bien entendu. Ou alors l'ouvrage « Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent » publié chez Gaëtan Morin en 1999, Abimana, Etier, Petot, Tousignan, « Le normal et le pathologique et la nécessité de la classification », classification catégorielle et classification dimensionnelle, voilà ce qui est évoqué, et puis le diagnostic clinique avec, pour chacune des psychopathologies de l'enfant, les critères diagnostiques et le diagnostic multiaxial. Voilà, ce sont des ouvrages quand même importants en français, hein.
peut-être un petit retour avant ces années 90-2000, voilà, la dynamique de l'examen psychologique, hein, Jean Guillaumin, psychanalyste, qui a beaucoup travaillé la question de l'examen avant, d'une certaine manière, de l'abandonner. Le psychologue, écrit-il, est un observateur, un provocateur du comportement, et il utilise même le terme de diagnosticien. Alors, je ne sais pas si c'est un néologisme. Non, c'est un diagnosticien, c'est un terme... Oui, donc ça existe. Colette Chilan, une contribution diagnostique du développement et du fonctionnement mental, un approfondissement de l'examen clinique. C'est ce qu'elle écrit dans le nouveau traité de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Hein, cette somme de quatre tomes chez PUF, pardon. Et puis Jean-Louis Pedignelli, Introduction à la psychologie clinique en 1994. Voilà ce que Jean-Louis Pedignelli propose dans la démarche clinique en psychologie. Le diagnostic doit permettre de décrire un sujet et les problèmes qu'il présente, de classer le problème, de définir sa forme spécifique ainsi que ce dont il se différencie, cette diagnostic différentiel, d'étudier le développement, l'origine et les mécanismes des problèmes et de faire un pronostic et de poser une indication. On continue un petit peu dans des conceptions actuelles, hein, Winfried Hubert dans l'homme psychopathologique et la psychologie clinique. La démarche diagnostique est indispensable à toute activité en psychologie clinique. Hervé Benoni, alors je croise des auteurs qui sont tous quand même nos références, hein. Dans Introduction à la psychologie clinique et dans Psychopathologie des affects et des conduites, il évoque les critères diagnostiques à chaque fois et il utilise le terme diagnostic clinique ou diagnostic psychologique de façon très directe. Jean Dumas, dans Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent en 2007, révisé en 2013, les troubles psychologiques de l'enfant et leur diagnostic clinique. Enfin, Lydia Chabrier, par exemple, mais j'en ai pris qu'une partie, hein, il y a tout un chapitre sur l'élaboration d'un diagnostic psychologique. Alors, Anne Andronikoff, que j'ai plaisir à citer à travers deux extraits, l'un d'un article dans l'Encyclopédie médico-chirurgicale en 2003 sur l'examen psychologique de l'enfant, approche clinique des processus mentaux. L'examen psychologique est une démarche diagnostique intégrative qui utilise l'ensemble des outils disponibles aux psychologues. Je passe puisqu'elle aura la parole tout de suite après. Ou encore, plus récemment, dans Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, en 2014, sur l'examen psychologique de l'enfant, pratique et déontologie, la notion de diagnostic psychologique est pertinente pour l'enfant et l'adolescent. L'examen psychologique permet en effet d'aller au-delà d'une description de quoi souffre l'enfant et ou son entourage, pour comprendre comment s'agencent les forces et les faiblesses psychologiques de cet enfant, leur dynamisme évolutif, etc. Donc c'est en fait, vous le voyez bien, presque une réponse à Roland Ramsey et à Claire autour de cette question. Le diagnostic n'est pas quelque chose de figé et de définitif. On peut penser l'utilisation parce que les usages vont bien entendu, les usages de la langue, hein, vont permettre de comprendre comment des racines, dont on a bien compris leur exigence intellectuelle, je veux dire, on va aussi utiliser aujourd'hui le terme diagnostic de façon extrêmement large, Claire, d'accord avec toi, le diagnostic thermique, le diagnostic économique. Voilà. Annick Velbaret, assurer son diagnostic par une étude reposant sur l'objectivité scientifique, Jaouda Peto, hein, pour chaque trouble psychologique dans son gros ouvrage sur l'évaluation clinique en psychopatho de l'enfant, elle évoque à chaque fois l'évaluation psychologique et le diagnostic pour chacun des troubles évoqués, hein, en psychopathologie de l'enfant. Serge Sultan, je passerai très vite sur... Alors, Serge, bien sûr, parlera en fin de matinée, mais quand son ouvrage est paru, j'ai eu comme une sorte de soulagement. Je veux dire, enfin, en France, on avait un ouvrage qui clairement abordait cette question du diagnostic psychologique, avec donc un processus central d'intégration des différentes données, bien au-delà d'une étiquette diagnostique et des cinq fonctions qui ont été proposées par lui. Voilà. Alors, forcément, on ne veut pas être exhaustif, mais il y a des auteurs, c'est impossible de ne pas parler d'eux. Hein. Je pense à Roger Perron, c'est-à-dire notre grand maître, hein, dans la question d'examen psychologique. Voilà. Il parle de démarche de diagnostic, Roger Perron. Hein, un faisceau de déterminants et d'effets plutôt que des causalités de type linéaire.
un système de prévision constamment mise à l'épreuve par la recherche d'informations nouvelles, une réflexion méthodologique constante et toujours critique est nécessaire pour échapper au risque d'une technique rigide autant qu'à ceux d'une approche clinique livrée à la seule intuition. J'évoque aussi, bien sûr, très rapidement Jacques Grégoire. Hein, pour lui, je traduis, ce n'est pas une citation, ce n'est pas en italique, mais clairement, pour Jacques Grégoire, le diagnostic est l'aboutissement de l'examen psychologique. Voilà. Du côté des méthodes projectives, c'est particulièrement intéressant. Les projectivistes sont moins inhibés et ont moins de scrupules à utiliser le terme diagnostic psychologique. Je veux dire, vraiment, c'est extrêmement présent dans la littérature projective. Hein. Alors, notamment, Didier Anzieux, le psychologue clinicien, remplit trois grandes fonctions, de diagnostic, de formation, d'expertise. Alors, voilà, j'ai mis un certain nombre de noms, et puis toutes les publications, dans toutes les publications de techniques projectives ou de psychologie projective, vous avez l'utilisation très franche du terme le diagnostic psychologique ou ses équivalents. Voilà. Alors je citerai au-delà de l'approche psychopathologique des techniques projectives, ce qu'on peut trouver aussi dans des manuels comme celui d'Anandronikov sur le système intégré, de Serge Sultan ou Lionel Schutzik concernant le Rorschach, le MMPI. Mais vous avez aussi un certain nombre de publications, j'en ai mentionné ici que deux, dans lesquelles de plus en plus le terme diagnostic est utilisé en psychologie, hein, y compris du côté de certains cliniciens psychanalystes, par exemple ici Michel Emmanueli et Emmanuel Louette, diagnostic et pronostic dans le bilan psychologique. Voilà. Alors j'ai fait une petite recherche sur l'usage des termes diagnostic psychologique dans les revues, c'est particulièrement intéressant, c'est facile aujourd'hui avec les banques de données, avec les moteurs de recherche, avec certains logiciels. Vous pouvez interroger, vous mettez votre requête, et puis, bien entendu, il faut accéder à un certain nombre de données, mais vous pouvez les retrouver. J'ai choisi neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, il fallait bien faire un choix, et notamment, depuis 12 ans, 685 articles, 276 fois, on trouve le terme diagnostic psychologique. Hein, en rapport au diagnostic neuropsychologique, intéressant. Là aussi, aucune inhibition du côté de la neuropsychologie à utiliser le terme diagnostic neuropsychologique. Voilà, on le trouve 354 fois et on trouve 1107 fois le terme diagnostic psychiatrique. Les deux tiers des articles en neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence sont écrits par des psychiatres, des pédopsychiatres. Alors j'ai fait aussi des recherches dans un certain nombre d'autres revues, psychiatrie de l'enfant, enfance, bulletin de psychologie, contraste, développement, neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, pour les qualificatifs, pardon, autres que psychologiques, c'est-à-dire diagnostiques avec d'autres termes que psychologiques. Hein. Et notamment, on y trouve bien entendu diagnostic psychiatrique, médical, clinique, neuropsychologique, très présent, et puis des termes comme diagnostic différentiel, diagnostic psychopathologique, diagnostic orthophonique, diagnostic épidémiologique, sémiologique, syndromique, symptomatique, diagnostic intégratif, dimensionnel, structural, diagnostic multidimensionnel, structurel, catégoriel, diagnostic fonctionnel, secondaire, intégré, etc. C'est intéressant, je trouvais que c'était vraiment utile de ne pas se limiter au diagnostic psychologique. Et puis ici, c'est tout ce qui est complément au substantif diagnostic. Alors vous avez souvent les termes diagnostic, donc j'ai fait cette requête, à quel moment dans les écrits, les articles, dans ces revues francophones, on trouve le terme diagnostic et à quoi il est associé, si ce n'est pas au qualificatif que je viens d'évoquer. Alors on trouve beaucoup de termes comme diagnostic des troubles psychologiques, diagnostic de problématiques psychologiques, diagnostic des troubles du comportement, des troubles d'apprentissage, de déficience, d'autisme, de développement, etc. On trouve aussi des termes comme diagnostic de la situation de l'enfant, de l'état mental, de l'état émotionnel, intellectuel, voilà. Et puis diagnostic de personnalité pathologique, d'état limite, de névrose, voilà. Autant de compléments au substantif diagnostic. Et j'ai aussi fait des recherches d'occurrence pour savoir quels étaient les synonymes utilisés pour qu'il n'y ait effectivement pas de répétition dans les articles. Hein. Et on trouve des termes qui peuvent s'y substituer la plupart du temps dans le sens. Je ne peux pas vous le démontrer, je n'ai pas le temps, mais on trouve en substitution au terme diagnostic analyse, examen, expertise, investigation, identification, évaluation, bilan, état des lieux, en gros, et d'autres. Voilà.
Enfin, dans cette petite recherche, hein, l'usage des termes diagnostiques et du qualificatif diagnostique dans les revues, l'adjectif diagnostique est essentiellement utilisé avec les noms communs que je vous donne ici, qui sont les plus fréquents, évaluation, examen, protocole. On trouve évaluation diagnostique, examen diagnostique, protocole diagnostique, critères diagnostiques, classification diagnostique. Et puis voilà, vous avez les autres, démarche, approche, appréciation, intention, contribution, visée diagnostique, interrogation, réflexion, orientation diagnostique, etc., etc., test diagnostique, épreuve diagnostique. Alors, est-ce qu'on a des textes qui peuvent cadrer un petit peu cet usage ? La conférence de consensus 2008 à 2011, qui a rendu ses conclusions par notamment quelques recommandations, hein, 32 recommandations, avait 6 groupes de travail. Je vous présente ici, en gros, le groupe 1, dans lequel, là aussi, j'ai fait des recherches. Est-ce que dans ces groupes, ces 6 groupes de travail qui ont œuvré pendant 2 ans, avant de rendre compte et de fournir au jury de cette conférence de consensus de la matière, hein, du grain à moudre pour permettre l'élaboration des 32 recommandations. Dans le groupe 1, définition et cadre clinique de l'examen psychologique de l'enfant et de l'adolescent, on trouve très souvent le terme diagnostic psychologique utilisé et puis cette question du normal et du pathologique en miroir, si vous voulez. Dans le groupe 4, compétences du psychologue et limites de l'évaluation, on voit à un moment donné l'abandon progressif du travail du psychologue à visée diagnostique. C'était une observation qu'avait faite ce groupe. Hein. Et puis, une des principales fonctions, c'est ce qui est mentionné dans le texte, une des principales fonctions du psychologue, l'évaluation diagnostique. Enfin, le groupe 5, communication des résultats de l'examen psychologique. On y trouve des termes comme une aide au diagnostic. Et puis, l'équivalent, qui est les résultats et les conclusions de l'examen psychologique, c'était utilisé dans le même sens. Voilà. Seule la recommandation 3 de la conférence de consensus utilise le terme diagnostic, notamment dans le commentaire de la recommandation 3. À l'issue de sa formation initiale, le psychologue maîtrise les compétences pratiques nécessaires pour mener à bien un examen psychologique complet. On y trouve, en fin de ce commentaire, les compétences citées doivent être étayées par une formation pratique à l'entretien, en particulier avec l'enfant, à l'observation clinique, à la passation des tests, à l'analyse de leurs résultats, à la formulation de diagnostics, il n'y a pas psychologique, mais c'est fortement sous-entendu, bien entendu, et à la rédaction de comptes-rendus. Un autre texte intéressant qui était la synthèse des grands témoins au colloque que la PPE a conduit à Lyon il y a 4 ans sur psychopathologie et handicap. Hein. Le deuxième paragraphe, diagnostic, nomination et annonce du handicap, on y trouve ce texte, hein, l'annonce et l'explication du diagnostic, bien entendu psychologique, sont l'aboutissement d'un travail d'équipe et doivent donc associer autant que possible les différents professionnels. Et vous y allez, bien entendu, les psychologues qui sont mentionnés. On y parle de travail diagnostique. Dans ce groupe, il y avait Nicole Kathleen, notamment, et Roger Perron, pour ne pas citer les autres. Alors, dernier point, le regard international. Vous avez, par exemple, en allemand, plus de 30 ouvrages qui portent, depuis ces 30 dernières années, dans le titre, les termes, je ne sais pas parler allemand, psychologie, Gisse ou Gisse, diagnostic, voilà. Vous avez un certain nombre d'ouvrages extrêmement nombreux en langue allemande, dans lesquels c'est complètement présent. Hein, donc ça ne leur pose aucun problème. Du côté de l'American Psychological Association, aux USA, vous y avez la définition du diagnostic psychologique, hein, de façon aussi là très claire, comme si ça ne pose aucun problème pour les psychologues américains d'avoir une approche diagnostique et d'établir un diagnostic psychologique. C'est même mentionné « Giving a client a psychological diagnosis is necessary ». Voilà. L'Ordre des psychologues du Québec, hein, le diagnostic psychologique, le psychologue qui effectue un diagnostic psychologique procède à l'évaluation des ressources, etc. Là aussi, on y parle du diagnostic psychologique qui sert entre autres à décider d'un plan d'intervention ou de traitement que peut nécessiter le client. Et puis il y a même un des articles dans le code de déontologie qui l'évoque à propos d'une prudence. Hein, le psychologue n'établit un diagnostic psychologique à l'égard de son client et ne donne des avis et des conseils à ce dernier que s'il possède l'information professionnelle et scientifique suffisante pour le faire. C'est-à-dire que le diagnostic
n'est pas une approche finie. Le diagnostic a une approche d'après, je dirais, ces associations professionnelles en dehors de la France, est quelque chose de dynamique et de tout à fait possible à remettre en cause. Hein. Voilà. Du côté de la British Psychological Society, ils sont allés même beaucoup plus loin, puisqu'ils ont défini des issues new guidance on diagnosis. Hein. Vous avez des guidelines, vous avez des invitations pour le psychologue avec des recommandations, un cadre très, très organisé pour permettre justement l'établissement du diagnostic et tenir compte de toutes ces interrogations et imprécisions qui font partie de notre démarche. Alors, je conclurai, j'allais dire en forme de question, ça sera sans doute beaucoup plus facile pour tout le monde. Et puis, on a la journée pour y répondre. L'évaluation psychologique n'est-elle qu'une confirmation du diagnostic de trouble psychiatrique ? Un simple complément au diagnostic psychiatrique ? C'est le risque, bien entendu, de ne laisser le terme diagnostic qu'à la psychiatrie ou au monde médical. Les informations aux données psychologiques constituent-elles à elles seules un diagnostic ? C'est une vraie question que là, on a à se poser, nous. Le diagnostic psychologique reste-t-il limité à l'évaluation de l'efficience déficience intellectuelle ? On sait que c'est les psychologues, le seul domaine dans les classifications internationales dans lequel on demande l'expertise du psychologue, c'est celui de la déficience, avec notamment l'établissement d'un niveau intellectuel. Faut-il laisser l'usage du mot diagnostic à la seule neuropsychologie, dont on voit l'usage que les neuropsychologues font aujourd'hui du terme neuropsychologique, hein ? Si les psychologues renoncent à utiliser le terme de diagnostic psychologique, quid de cette évolution des côtés ? Est-ce qu'il faut le laisser au champ médical et paramédical ? Et est-ce qu'il faut le laisser à l'orthophonie ? Puisque du côté de l'orthophonie, le terme diagnostic orthophonique est beaucoup utilisé. Enfin, pour ces premières questions, un diagnostic psychologique est-il seulement et strictement de nature catégorielle et structurelle ? J'espère avoir, en tout cas, ouvert la porte à un autre mode d'interrogation. Dernière question, les risques de stigmatisation et de fixation favorisés par les écrits justifient-ils, comme seule réponse d'écarter le principe de la démarche diagnostique ? Est-ce que c'est parce que un danger est inhérent à notre démarche diagnostique qu'on doit y renoncer ? Ne pas répondre aux attentes et demandes des usagers, des institutions, des services, et là je fais référence à, effectivement, ce que sont sur le plan social tout. Ceux qui attendent de nous, hein, que nous puissions apporter un certain nombre d'éléments. Voilà, ça comporte des risques, bien entendu, mais ne faut-il pas en faire préalablement l'analyse et l'inventaire, avant éventuellement, je dirais, de refuser de s'inscrire dans cette démarche ? Enfin, un diagnostic psychologique intégratif, dimensionnel, fonctionnel et dynamique, témoin d'une expertise communiquée en termes adaptés, respectueux de la personne et de ses capacités évolutives, est-il possible et souhaitable au bénéfice de l'enfant et de sa famille ? Je vous laisse deviner ma réponse. Voilà, je vous remercie.